Hello les gens, ici c'est Shadowar, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 en compagnie de Sora, le petit chat qui est juste à côté de moi, sur mes genoux et qui m'embête parce qu'il veut pas me laisser jouer. Allez, c'est parti. On se retrouve donc aujourd'hui pour déglinguer la tête de ce gentil Big Daddy qui était juste à côté et qui m'a déglingué. Enfin, qui a commencé à me déglinguer, je me suis sauvé comme un lâche. Ah, je peux rentrer par là, ça c'est cool. Oh, ça c'est très cool. C'est très cool parce que j'ai un coffre ici. Et les coffres, j'aime ça. Faut juste que je me foire pas. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà, et le dernier. Oui, c'est bien, hein, c'était pas le dernier. Nickel. Deux fléchettes auto-piratage, perforant, tout ça, la famille, sans LM. Écoutons ça. Le pouvoir de manipulation de cette. Tire pas sur le fil. Whisky. Chips, des chips. Ok, je le retiens. Qui se trouve dans d'autres fidèles. Oui. Il est dans le sang. Ils donnent leur vie les uns pour les autres comme si mourir était un. Souviens-toi que sans cette caméra, on n'aura aucun moyen d'atteindre Grace. Je sais. Et sans Grace, on risque de pourrir ici. Dépêche-toi d'aller filmer un de ces gosses. Oui. Oh là là. Et puis flanque-lui une rouste de tous les diables. Gorille, ça va, c'est pas parce qu'il est moche et différent que t'es obligé de l'appeler Gorille. Pardon? J'ai pas entendu ce que vous aviez dit. What? C'est quoi qui m'a déglingué là? C'est bon? Ça va mieux? Ah, bien moche elle. Parce qu'il y a un truc qui m'a tiré dessus, c'était. Ah, c'est une tourelle! Ah oui, il y a une tourelle qui tire des missiles. C'est normal. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Putain, faut être du genre rapide quoi. J'ai trop mal. Est-ce que vous avez déjà mangé un missile en pleine poire? Putain. Moi non, mais lui il vient de le prendre et ça doit faire quand même. Ça doit piquer. Juste comme ça, c'est où je dois aller? Parce que là, ils me font une petite flèche, là. C'est bien rigolo. C'est là-bas, d'accord, ok. Et j'ai perdu le Big Daddy, donc je sais plus trop où il est. Wow! Vous l'avez vu? Oui, d'accord, vous avez vu la... Si vous avez pas vu, c'est pas grave. Vous faites retour arrière, et vous regardez la grande sœur qui vient de passer juste là. La Big Sister. Et vous la verrez. Ok. Ok, donc... Le voilà. Voilà une de ces grosses brutes. Une de ces grosses brutes. Mets ta caméra en marche et fais-lui sa fête. D'accord. D'accord, pas de problème. Rivet, rivet lourd, non. On va y aller au rivet normal, ça c'est bon. Chevrotine, c'est chargé. Là, on va y aller à l'antipersonnel, c'est bon. Ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ready you go. Je peux zoomer? Non, je peux pas zoomer. C'est parti. Merde. Tiens, prends-toi ça. Bam. Bam. Pardon, je vais le tuer de manière un peu variée. Nouvelle attitude, charge à la foreuse. Ah oui, d'accord. Il est mort comme ça, d'un coup, quoi. Ah mais non, il est même pas mort. Excusez-moi. Voilà, je vais pouvoir vous filmer une seconde fois. Et je vais pouvoir charger. Voilà. Je sais pas comment on fait la charge à la foreuse, mais je peux. Tu sais y faire avec cette caméra. Tu as vu? Tu as appris un nouveau truc en filmant ce molosse. Comment? Tu vas pouvoir retourner au Sinclair de Lux. Ouah, mais elle va me buter. Et envoyer valdinguer tout ce qui obstrue l'entrée. Dégage. Je sais pas comment t'as réussi à monter là, toi. Appuie sur rond tout en maintenant R2. D'accord, mais ça fait quoi? Génial! Ça doit bouffer des taquets de carburant par contre. YOLO! Putain. Ouais, ça bouffe du carbu, mais putain. Ça a l'air sacrément efficace, quoi. Ça, c'est sûr. Ok, on va laisser passer la caméra pour aller là. Ok, c'est bon. Hop. 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 Non! J'ai mal. Hop. Hop, c'est bon. Elle est avec moi, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Du carburant, ça m'est un peu égal. Je vais aller ici.
parce que c'est cool. Ça fait un bruit chelou quand je suis passé devant. Ah, ils ont repéré un mec. Oh, mais c'est une salle d'enfant. Hypnose. What the fuck. On n'est plus dans passeport pour plasmide. Vous avez remplacé un plasmide. Le plasmide remplacé peut... Ouais, je sais. Je peux te garder en vie, mais tu dois me retrouver. Ok. Poussez vos ennemis à s'attaquer l'un à l'autre. Ok, c'est en fait c'est pareil que Rage. Sauf que ça ne m'intéresse point. D'accord, oui. Parce que vous avez bien compris que nous sommes en train de mûrir. Pourquoi nous mûrons? Parce que en fait les protecteurs, je me souvenais plus que c'était le cas aussi pour Delta. Mais les protecteurs en fait vivent grâce aux petites sœurs qui leur fournissent de la dent. De la dent transformée, donc de la dent spéciale. Donc c'est, en fait c'est que grâce à elles qu'elles peuvent s'en sortir. Enfin qu'ils peuvent s'en sortir. Est-ce que on peut les tuer ou pas? Parce que du coup c'est très joli à regarder. Mais j'ai bien envie de tous les tuer. Tu vois? Genre comme ça. Genre bien dans la tête, bien dégueulasse. Ah c'était pour que j'utilise hypnose. Ah je suis désolé. J'y ai pas pensé sur le coup. Terrine, oh je veux bien. Moi je veux bien un cadeau. Oh oui, j'aime bien les cadeaux comme ça, j'aime bien. Non, puis le merlot et tout ça. Ah mais c'était mignon, comment vous dansiez, maintenant vous êtes mort. Je peux jouer le piano. Très joli morceau en tout cas. Pas un truc caché ici. Très belle musique. Je la connais absolument pas, mais très belle musique quand même. Ok. Oh, je crois qu'il y a un Big Daddy pas loin. Je l'ai pas entendu, mais... Oh, pose d'amélioration. Ok, chargeur amélioré pour fusil à pompe. Prochaine étape, le Tesla. Oh, mais regardez comme il est beau. Regardez-moi ça. Et maintenant, je peux mettre... Si mes souvenirs sont bons, c'est 6. J'allais dire 8. Mais en fait, maintenant qu'il dit... C'est vrai qu'il y a 6 trous. Fermeture des limbo. C'est fini. Nous devons fermer le limbo. Ah. Une bombe explose au Cachemire. C'est quoi voilà ça? Tout le monde qui panique. Les gens ont vidé leur compte en banque. On croit que toute la ville se bat désormais pour un malheureux dollar. Ok, ça et avec marche. Les banques qui font maintenant faillite, 9 personnes sur 10 ne reverront jamais leurs économies. Qui va venir m'écouter chanter? Ok, d'accord, c'est bon. Donc c'est ici le limbo, je suppose. Pour m'occuper de la petite Eleanor. Oh non, c'est pas comme si c'était marqué en gros là, mais c'est... Oui, je suis déjà passé là, pardon. Excusez-moi, je fais le même chemin. Attendez, je vais pirater ceci. Parce que c'est très intéressant. Voilà. Histoire de récupérer ça. Parce que je vais certainement jamais revenir ici. Mais. Voilà. Histoire que je sois à fond niveau santé. Alors ici, il y a quelqu'un qui est venu. Si mes souvenirs sont bons. Ça a fait du bruit. Ok. Du coup, un plus gros chargeur, ça va me vider mes munitions plus vite. Parce que je vais avoir tendance à l'utiliser plus longtemps. Faut donner que, comme il avait que 2 balles, je... Oh, le paradis pauvre Zi. Ryan a été très cruel. Elle l'attaquait dans ses chansons. La taupe. Il l'a mise sur sa liste noire. Ah. Elle s'est retrouvée sans le sou. Mais au sein de la famille... Ah, c'est pour ça. Elle a retrouvé l'espoir. Oh. Et une raison de vivre. Coucou, monsieur P. Réfléchis, Delta. Qui es-tu pour tout lui reprendre? Coucou, monsieur P. Je... Il y a un monsieur derrière vous, hein. Y'a un monsieur derrière toi. Là, y'a un monsieur. Non, 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 non. J'ai essayé de te prévenir, hein. Mais par contre, j'aimerais bien passer, là. Oh, le salaud, il m'a lancé une bombe. Mais si je le tape... J'ai peur que ça... Voilà. Que ça contrarie notre ami qui est là-bas. Non, mais je... Sérieux, j'aimerais bien passer en fait. Je veux passer sans te tuer, monsieur. Monsieur P, s'il te plaît, monsieur P. Ok, c'est pas grave, il l'a voulu. C'est parti. Du rivet lourd, de la chevrotte. Ça va chier les bulles. Vous êtes prêts? Ready, go. Et bah, c'est parti. Bam! Allez, tu manges. Non, pas ça. Pas des bombes. Dégâts plus. Est-ce que je peux le reprendre en photo?
Recherche ce type déjà effectué, pas la recherche lancée. Ah, ok, c'est pas grave. On va y aller avec ça. Bim. Est-ce que tu as mal? Tu as l'air en tout cas d'avoir un peu mal quand même. Bon, c'est vrai que moi j'ai quand même mal aussi. Mais il est en train de me vider toute ma life. Ok, tu veux venir? Vas-y, viens. Bim! 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 Ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Oui? Tant mieux. Ok, c'est pas grave. On va prendre la petite. Viens, 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 viens. Oh, viens la titite, on va te protéger. Pas peur des protecteurs. Bien sûr que non. Ah, trop bien, ils ont mis l'image de la truc de Jack. Coucou. Tu veux voir ma chevrotine? Voilà, dans ta tronche. Voilà, maintenant que nous sommes passés, merci de nous avoir fait un peu de place. Ok. Alors, ici, il y a de la dent. Sachant que j'ai une caméra, de quoi me protéger autour, on va faire ça. Il est pas encore à nous, ma petite, hein, il est pas encore à nous. Mais bientôt, bientôt. Non, c'est pas le truc du piratage, c'est ça que je voulais. Ok, du piégé, parce que ici, ça va arriver, certainement. À mon avis. Je pense. Je pense qu'ici... ça va arriver aussi. Alors on va éviter qu'il passe. Ici ça va arriver ici. Aussi. Là aussi. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Tu niques tout mon plan, s'il te plaît. Mais ça a fait un truc très bizarre avec ma caméra. Quoi, un autre Big Daddy? Non, ça va aller. Allez, c'est parti. Récoltons pour plus d'attents. Ouais, ouais. Dégage. Je vais peut-être pas recharger à chaque fois. Oula. Ça veut dire quoi, ça? Vous foutez quoi, ici? Allez-y. Viendez, mes enfants, viendez. Allez-y. Ça vous va, ça? C'est tant mieux. C'est une bonne idée de les avoir électrocutés ici. Oui, je sais que je peux recharger mon arme. Bientôt? Bientôt. Prends ton temps, petit. Prends ton temps. Je suis pas à ça près. Allez-y, viens aller. Voilà. C'est bon? Vous kiffez? Toi. Je sais pas pourquoi t'as réussi à passer alors que t'étais mort. Ça devrait être bon, non? Allez, viens. Bien sûr que non. Même avec une musique stressante comme ça, tu ne risques rien. Voilà. Putain, on passerait presque pour quelqu'un de gentil en sauvant des petites sœurs comme ça. Même si on tue la moitié de la ville, quoi. On dirait, oui, mais c'est des méchants, tout ça, tout ça. On tue des gens sans froid, d'accord, c'est des drogués, mais est-ce que toi tu vas dans ta rue comme ça, tu prends un flingue et tu tues tous les drogués que tu croises? Non, je crois pas, non. Ok, je sais pas si... Ok, j'ai déjà tout pris. Je voulais un truc de soin dans le coin, je n'en vois point. Tant pis. On va s'en aller. Salut Rosie. Le géant de métal n'est pas un homme. Il est gentil. Pas de touche. Le géant de métal est gentil. Oh, mi-chien, mi-démon, eh oh. On dit mi-chien, mi-loup, hein, c'est pas... Voilà, chevrotine. Oui, ben vous êtes pas gentil. D'accord. Sympa, merci. Je fais comment pour passer maintenant? Oh, d'accord, c'est encore plus sympa. Bah, viens dans le feu, toi. Eh, mais t'es con comme une bite, toi. C'est possible, hein. Putain, par contre, t'es résistante, hein. Ben, adieu. Ok, allons-y. Coucou. J'ai pas dit que t'avais le droit d'y aller. Eh, hey, c'est de la triche. Waouh. D'accord. J'ai trop mal. Excusez-moi. Non. Purée, mais c'est quoi ces gens? Ils sont
super armé quoi. Voilà. J'ai pas le temps de tous vous filmer, vous m'énervez. Ok, il y en a une là. Hop, on va faire ça de manière... Comme ça, je l'ai filmé. Bam, attention. Bim! Est-ce que c'était pas joli ça? Putain, enfin la foreuse, elle va nous faire... oui, mais on n'a pas tout récolté encore, petite. Désolé. Je vais pas pouvoir te relâcher maintenant. Il nous faut encore un peu d'Adam. Est-ce qu'il y a un corps? Pas loin. Il y a un corps de l'autre côté, ma petite. On va pouvoir te libérer juste après l'avoir pris, ne t'inquiète pas. Je sais que t'es fatigué, que tu vas aller te reposer, mais quand même. On va te faire un peu travailler, quand même. Allez, c'est parti. Allez, YOLO! Bim! Oh, excusez-moi. Ah non, d'accord. C'était dans l'eau que je voulais le mettre, en fait. Non. D'accord. Excuse-moi. Bitch! 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 Mais... Mon Dieu! À l'époque... Grace logeait au dernier étage. Oups. Monte la trouver et persuade-la de te donner la clé de sécurité. Je me suis trompé de bouton. Je voulais recharger. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah si, c'est grave. Ouais, je sais, l'ange d'or. Oui, attendez, attendez. Ah, mais je vais m'y dessus, putain. J'en ai plus. Ok, c'est pas grave. Dégage. 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 Allez-y, allez-y. Enfin, vas-y, ma petite, vas-y. S'ils passent dans l'eau, ils sont grillés. S'ils passent pas dans l'eau, je les grille. J'espère. Oh, sur une petite musique, là, tranquille. Ok. Ça vient de là. Dégage. Oh non! C'est sérieux là? Mais non! Mais non! Sérieusement quoi? Putain, la petite quoi! Voilà! Allez, allez, prends cher! Ça va bon! Viens! Allez, viens! Mais je suis le meilleur, voyons. Normal. Je suis le meilleur Monsieur P. Je suis le seul Monsieur P qui existe. Où c'est qu'il y a une bouche d'égout pas loin? Ok, on va reculer pour aller la libérer. Je pense que c'est mieux. Alors, où c'est que c'est? Je me suis trompé d'endroit, on est d'accord? C'est juste en bas, je sais pas, c'est ça? Non, il y en avait une derrière moi, ok, quel con. Ah, elle est là, elle est là. Voilà. Allez, on y va. Et c'est tout pour les petites sœurs, c'est pas tout pour l'épisode, ne vous inquiétez pas. L'épisode continue encore un petit peu. On va aller fouiller un peu là-bas. Voilà. C'est sauvé. Non! Non! Mais non! Pourquoi il y a la grande sœur? Oh purée, est-ce qu'il y a un truc quelque part? Que des trucs de munitions? Putain, je suis trop dans la merde. Je suis trop dans la merde. Oh là 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 là. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Rêve piégé, j'en ai plus qu'un, ça sert à rien. De toute façon, bah, l'antipersonnel, ça sert à rien, c'est du blindé, putain. Ok, c'est pas grave, on y va. Du blindé, c'est bon. Ok, pour ça. Du lourd. J'en ai que deux. Ok, je suis dans la merde. C'est pas grave. Amène-toi. T'es où? Où tu es, petite? Elle est là. Ok, elle va me déglinguer, je sens. Ok. Non, je ne suis pas d'accord. Allez, allez, allez. Ah, fais chier. J'ai eu de foiré. Jauge dev plus, d'accord, ça me convient, mais je sais pas trop pourquoi. Ok, c'est du blindé. Ah, purée, j'ai pris trop cher. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, 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 allez. Hop, j'ai bientôt plus de batterie. Ok, le seul plan. Oh, je vais crever.
Purée. Ah. Et je suis mort comme une grosse... Blablabla. Ok, vous êtes mort. Vous avez été réanimé vers la vita chambre. Ah, j'étais pas mort depuis le début, je suis dégoûté. Je voulais essayer de faire en fait un... Ouais, je sais, il est toujours furieuse. En fait, si vous finissez le jeu sans mourir, bah, vous débloquez un succès. Et malheureusement, je n'ai pas... À mon avis, je ne vais pas débloquer le succès. Vu que je viens de mourir de manière assez ridicule. Ok. Ok, et il y a vraiment rien ici qui puisse m'aider. Non, il y a juste des escaliers, ok, c'est sympa. Fléchette d'autopiratage, ça va pas m'aider. Allez, amène-toi. Amène-toi, je te dis. Amène-toi, allez. J'espère qu'elle a pas toute sa vie. T'es où? Où tu es? Là voilà. Mais t'es où? D'accord, elle est en train de buter. Non, elle vient de se soigner. Oh, une chose. Je viens de décéder de manière affreuse, c'est ça? C'est ça. Je suis bien mort. Ok. Je ne vais pas vous laisser comme ça, ne vous inquiétez pas. Déjà parce que je n'ai plus rien sur moi, donc on va aller retourner en arrière. On va retourner en arrière. Ça sert à rien de rester là. On va crever si on reste là, de toute façon. Donc on va revenir on va revenir la tuer. Hein. On va y aller. Et en plus... Mais non, mais arrête. Arrêtez. Laissez-moi tranquille, voyons. Laissez-moi tranquille. Si elle veut arriver là, y a pas de souci. Viens, D. Ok, j'ai plus de taf. J'ai plus de fric, je veux dire. Ok. Je suis dans la merde. Ce qu'on va faire, on va s'arranger pour l'amener ici. Un Big Daddy. Ah, malheureusement, je peux pas récupérer le Big Daddy pour qu'il soit avec moi. Vas-y, déglingue! Il est sérieux, l'autre? Il vient de me cramer la tronche? Wouah! Insta-kill! Ok. Ça s'annonce chaud, quand même. Ok. Il y a le gros là. Non, mais arrêtez! Arrêtez-vous tous, arrêtez. C'est le bordel total. S'il vous plaît, quoi. Arrête-toi, toi. Je sais qu'elle arrive. Oh, purée. Mais attendez, je vais récupérer un... S'il vous plaît, voilà. Stoppez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Amélioration de santé, on va prendre ça, déjà. Merci. Amélioration d'air, on va prendre ça. Merci. Ok, alors déjà, arc électrique 2... Voilà, merci, je sais comment ça marche, merci, ne vous inquiétez pas. Ok, avec ça déjà, ça va aller un peu mieux. Réduit tous les dégâts physiques, je ne sais pas si c'est très utile. Chasseur de tête, vos tirs dans la tête infligent plus de dégâts. Ouais, mais bon, ça fait pas déjà des masses. 120, qu'est-ce que je pourrais mettre de mieux? Un plasmide, je ne sais pas. Un fortifiant, à mon avis, ça pourrait être utile. Parce que du genre efficace, consomme moins d'ev. Oh putain, c'est ça qu'il me faut. Efficace 50 et fortifiant 25. C'est parfait. Voilà. J'ai rien à mettre dedans, mais c'est parce que je n'ai pas encore acheté le Evicas. Ils sont trop drôles, ces gens-là. Et 45, j'ai pas de quoi acheter tout ça. Ok. Alors déjà, on a récupéré de l'aide. C'est cool. Il me faut... de l'argent. Ok. Elle est là. Meurs une bonne fois pour toutes. Please. C'est bon? Ça va mieux? Ah, oh, c'est un Big Daddy, il m'a fait peur. Oh. Ok, ça va mieux. C'est bon. On s'en est sorti. Tout va bien. Le gros au-dessus, il est pas mort. Hein. Mais au moins, la Big Sister, c'est de l'histoire ancienne.
Quoi? Ok, je ne sais pas. Putain. On a galéré, hein. Enfin, j'ai galéré. Vous m'avez regardé galérer. C'est très gentil à vous. Même pas vous m'auriez aidé, hein. Pas lui balancer des boîtes de conserve. Je sais pas, faites quelque chose. Faites quelque chose. Aidez-moi. Ok, alors elle est là. Ça, y avait rien du tout. Alors, un casier. Casier vide, d'accord. Merci beaucoup. On va se balader un petit peu quand même, hein. Je sais pas trop ce qu'il y a dans les parages, mais baladons-nous. Ok, c'était inutile. Alors, on va faire ça. Pardon. Voilà. J'avance un peu plus vite comme ça. Ici, y a rien. Là, y a rien. Là-bas. Y a quelque chose. Ça m'aurait été très utile de les avoir. C'est quand même pratique pour avancer plus vite, hein, je veux pas dire. Mais la charge, putain. Bon, par contre, s'il y a des gens... Le fait d'avoir la charge, c'est pas très pratique. Ok, des chevrotines, il m'en faut, ça tombe bien. Le frigo, plein de trucs super bons. Conserve, c'est mieux que rien. Des balles, c'est mieux que rien aussi. Ah, il va finir par y avoir quelqu'un ici, c'est pas possible. Non, personne, sérieusement? Sérieusement. J'ai cru que j'allais tomber, quoi. Qu'est-ce que c'est? Grace Holloway, cadeau pour l'aime. Je ne devrais pas me réjouir, mais c'est plus fort que moi. Je suis heureuse enfin. Ah bon? Le docteur Lamb est venu me dire qu'Andrew Ryan allait l'enfermer. Ses fidèles vont être dévastés par la nouvelle. Ah. Moi aussi, je devrais être dévastée. Mais Sophia, elle s'est souvenue que je n'avais jamais eu d'enfant. Elle m'a demandé de prendre soin de son bébé, la petite Eleanor Lamb. Oh, c'est mignon. Elle est intelligente. Enfin, on le savait déjà, mais... J'ai un enfant maintenant. Et tout va rentrer dans l'ordre. D'accord, en fait, elle l'a filé à Eleanor comme ça pour combattre Ryan. Elle était tranquille, quoi, en mode de toute façon j'ai pas d'enfant, tu peux rien me faire. Et oui, parce que quand tu te bats contre quelqu'un et que tu es de la famille, hey, hey, si c'est un lâche, il va s'en prendre à ta famille. Ok, le couloir a l'air bien glauque, donc on va s'arrêter là pour cet épisode 7 sur BioShock 2. Je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour moins d'épicness, parce que je veux dire, là, il y a eu tellement d'épicness, tellement de combats magnifiques où je me suis fait déglaguer qu'on va pas pouvoir fermer la semaine prochaine, mais ce couloir m'annonce déjà que ça va être rigolo. Ce sera pas de l'horreur, mais à mon avis, il va y avoir la lumière va se couper, des trucs comme ça, des chrysomes qui vont sortir des portes, bref. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine, j'espère que vous avez aimé cet épisode, et je vous souhaite donc une bonne semaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut, salut à tous. T-shirt et un écran, portant la mention play again.